ils embarquent mes frères, ils sont là contre nous, en fait, tu vois. Donc, dans notre tête, dès qu'on est petit, la police est morte. Quand tu grandis, en fait, les rapports dans un quartier direct, quand t'es un vrai mec du quartier, tu peux pas. La police est obligée que c'est une confrontation. On peut pas être amis. Ici, ils rigolent pas. Hein. C'est simple. Soit ils vous tabassent, soit ils vous montent dans le camion. C'est une mise à l'air, c'est déshabille-toi. Hop, on va te fouiller de la tête aux pieds. Quand ils arrivent avec leur voiture au mégaphone et qui mettent des chansons super fortes, ouais, tu vends du shit, en fait, t'es une grosse merde, je sais pas quoi, c'est de la provocation. Mais moi, il va me voir avec ma dégaine, il va se dire, il a un colt sur lui. Alors que j'ai que ma bouche, mec. On va discuter, en vrai. Mais ils sont super tendus. Une fois qu'on parle, on arrive à les détendre. Nous, on est chez nous. Je sais pas, eux, ils viennent comme ça, comme s'ils étaient chez eux, en fait. Alors qu'ils sont pas du tout chez eux. Pour nous, c'est ça, en fait, dans notre tête. Et les rapports, ils sont pas faciles parce que c'est comme ça. Mais ça va dans les deux sens. Il y a eu des équipes de policiers où ils passaient, ils discutaient un peu avec les gens et... Ça se passait plutôt bien, on va dire. Des fois, ils font du délit de faciès, hein, faut dire la vérité. Malheureusement, c'est comme ça. Donc là, on a une espèce d'équipe d'excités depuis un moment. Je parle bien au niveau des policiers qui rentrent comme des cow-boys. Bon, moi, personnellement, j'ai aucun problème parce que je calcule pas trop, mais je les vois des fois être pas très sympathiques avec les petits jeunes.